إطار اليوم العالمي للبيئة الموافق ل 5 جوان من كل سنة، أشرف والي ولاية تلمسان السيد يوسف بشلاوي اليوم السبت 8 جوان 2024 على افتتاح أشغال الندوة الوطنية الأولى حول التسييل المستدام للنفايات تحت شعار رهان استراتيجي لاقتصاد الجماعات المحلية. المنظمة من طرف المدرسة الوطنية لمهندسي المدينة شتوان بالتعاون مع مركز البحث في الأنثروبولوجيا الاجتماعية والثقافية وهران بحضور السيدات والسادة رئيس المجلس الشعبي الولائي، المدير العام للمدرسة الوطنية لمهندسي المدينة، المدير المركزي لمديرية الفعل الإقليمي والحضري بوزارة الداخلية والجماعات التهيئة العمرانية، مدير المركز البحث في الأنثروبولوجيا الاجتماعية والثقافية، المدير السابق للوكالة الوطنية للنفايات، أعضاء اللجنة الأمنية، نواب البرلمان بغرفتيه، أساتذة باحثين من مختلف الجامعات الوطنية، المندوب المحلي لوسط الجمهورية إطارات الولاية، أعضاء المجلس الأعلى للشباب، حيث ضمنت الندوة المعارف التقنية والعلمية التكميلية واللازمة لتحسين الكفاءة البيئية والطاقوية والاقتصادية، وهذا لتوفير حلول جديدة théorique. Pratique, c'est 50 000 heures. C'est-à-dire que 26 ans, on vit avec les lumières. Je vous fabrique, si je vous vends, impossible de compter. C'est qu'à la base, on a déjà produit des déchets. Chez nous, chez Belux, on donne des garanties de 25 ans sur le moment. On donne des garanties systématiques à tous les clients de 5 ans sur nos lumières. On utilise des composants nobles. Au-delà de ça, on n'est pas parfait. On utilise des matières qui sont recyclables, on utilise de l'aluminium, on utilise de l'acier qui est galvanisé pour faire dans le développement durable. On essaie en tout cas au maximum d'utiliser des produits qui peuvent être recyclés pour une part. Les sociétés sérieuses subissent. Si je me prends de ça, je vais vous dire la garantie. Quel est votre prix par rapport au prix qui est sur le marché? Par contre, pas du temps. Car dans un appel de structure, il y a des questions. Vous avez une école nouvelle, voilà, un produit. Non, mais si vous n'êtes pas dans une zone humide ici, regardez, il est là. Le luminaire, il est là. Vous avez un de luminaire à nous. C'est des luminaires qui coûtent 4000 à 5000 dinars. Mais le transport à l'intérieur de notre luminaire coûte plus de 10000 dinars. Le transport, le driver qui est à l'intérieur, ça coûte 4000 à 5000 dinars. Ça coûte des hommes. Quelques mois, des hommes. Alors c'est quoi la solution? Donc là, vous avez 15 des luminaires là, plombés à vie. Il ne faut plus le toucher, pas les ouvrir. Personne n'a le droit de les ouvrir. Avis. Tout à l'heure, on nous a dit de lire économiquement. Un luminaire colombé, 25 ans, c'est pas. Économiquement, c'est pas un peu. Mais non. Et puis, ce qui coûte plus cher, c'est la maintenance, c'est le changement. Et puis, l'objectif, c'est que la ville évolue, la ville survive. Qui m'a dit on change de collection, on change de couleur, on change de modèle, ainsi de suite. Le plus cher, c'est pas d'acheter un luminaire.
c'est la loi qui est en c'est pas la loi qui est en c'est le changement. C'est ça qui est le plus important. Il y a créé des solutions. Il y a des solutions. Après, le premier pas public, créer une autre barrière, je vais vous dire, pour la cité, pour la mer, pour le faire, 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 on a, depuis le début de l'année, on fait toutes les expériences qu'on a, on va bouger 50 ans. Alors, cette année, on a conclu avec le CRASP, le centre de recherche. On a fait appel aux chercheurs, aux anthropologues canadiens et les structures dans le CRASP. On nous accompagne dans la réflexion, la recherche, le développement et surtout la pédagogie. C'est notre présence ici, c'est de communiquer avec les acteurs de la vie pour sensibiliser, pour montrer la réalité des gens. Mais il faut sortir. La durée est grande, alors nous avons fait depuis le début de l'année, avec le CRASP, nous avons signé la journée de la vie le 28 avril. Nous avons fait Béchard, nous avons fait Tipaza, nous avons fait Thierret, nous avons fait Borj, nous avons fait Bjaya. La fin du mois de juin, nous serons à Tizi-Ouzou. C'était Tlemcen prochainement. Nous avons un des agences qui a été fermé. On les a aménagés et on ouvre prochainement. Nous avons un agrément de formateur Académie Lumière. Nous avons des locaux qui sont là depuis 30 ans. On va les ouvrir pour installer notre agence d'académie. Voilà. Je pourrais peut-être ajouter quelque Merci. Chose, monsieur Louali. La norme. Si on impose la norme, si vous voulez, de fait, donc on est dans le côté marché public et dans un produit performant. Parce que ce qui est sur le marché n'est pas généralement aux normes. Il y a la norme, au-delà de la norme en tant que telle, il y a aussi l'aspect sécurité. Nous sommes en train de placer des luminaires dans les écoles, nous sommes en train de placer des luminaires dans des universités et il y a bien des risques d'électrocution, etc. Si on utilise des produits qui ne sont pas homologués. Qui ne sont pas homologués. Voilà, qui ne sont pas homologués. Pour compléter ce qu'a dit Nicolas sur notre problème de l'éclairage de certains types aujourd'hui, dans les déchets, il y a de la pollution lumineuse, il y a de l'aveuglement, il y a du gaspillage. C'est-à-dire, c'est ça le lien avec le centre de recherche pour essayer de sensibiliser, d'apporter des améliorations du cadre de vie, développement. Et puis, il y a un autre phénomène. Aujourd'hui, avec le changement climatique, on a fait des rencontres à Béjaïa et la prochaine à La Côte sur le tourisme nocturne, ce qu'on appelle la touristification nocturne. Aujourd'hui, on va aller beaucoup plus dehors qu'à l'intérieur. Alors, aujourd'hui, il faut mettre un éclairage juste. Ce qu'il faut, là où il faut, pour qu'il n'y ait pas de gaspillage, qu'il n'y ait pas de pollution et d'aveuglement dans les lieux publics. Donc c'est une génération. On va générer encore une autre activité, c'est l'activité nocturne. Donc c'est une deuxième économie qui se met en place. Vous voyez que pratiquement tout ce qui a été installé, ça peut être intéressant dans certains projets, dans une vision écologique, politique, mais généraliser l'éclairage conventionnel, le remplacer par de l'éclairage solaire, économiquement, c'est intenable pour l'économie. Où sont les batteries? Dans la nature. Où sont les batteries? Quand ça ne fonctionne pas, les batteries, qu'est-ce qu'on va faire? Les batteries qui sont manquées. C'est du lithium. 2017, il y avait 400 000 batteries. Ça va s'insérer dans le sol. On va polluer nos nappes phréatiques. C'est un grand débat. Il y a une relation. Les gens parlent beaucoup de salamandre. Ces produits-là, vous les voyez en image, vous les voyez en réalité. Ce qui a été fait. Les autorités de la wilaya de Mostaganem ont fait appel à nous. Monsieur Louali, on est là pour
On est là pour essayer de, d'embellir votre ville, on est là pour vous proposer des solutions sur mesure à chaque ville. Ça c'est une composition qui a été proposée, qui a été retenue par les autorités de la localité. Si vous allez dans d'autres villes, dans d'autres villages, on n'a pas un produit standard fixe. On s'adapte, on ne peut pas éclairer Tlemcen comme on éclaire Koran, comme on éclaire Tamarazen, comme on éclaire pour des raisons culturelles, historiques, environnementales. Ça c'est une partie des projets complémentaires, elle est variée. Nous sommes là, c'est vrai qu'il y a l'aspect technique, il y a l'aspect sociétal qu'on est en train d'aborder avec le temps. Il y a aussi tout l'aspect visuel, esthétique. On est là, l'objectif aussi, c'est d'embellir les gens. Ça c'est pour avoir une idée, ça c'est une carte de chasse à l'intérieur. C'est un des projets de vie quand il y a d'abord. Maintenant ça coûtera plus cher. Où j'ai exercé, avec le réseau, il y a d'autres avocats. Comment on est dans le thème de l'écologie, très rapidement, pour ne pas trop abuser de votre temps, on va développer avec un partenaire européen la recherche. Une gamme de produits, la gamme Lolita, il n'est pas là, mais on fait, c'est une la gamme biotique. Il y a des espèces vivantes, végétales, animales, les insectes, l'être humain, chacun est sensible à certaines couleurs. Donc on arrive à filtrer. Pour protéger, par exemple, le jardin Hamad, il y a des espèces, le jardin des cèdres de Hamad, il y a des espèces qui sont là aussi. On peut influencer la durée d'une terre juste en les protégeant de la lumière. Il y a certaines couleurs dans le village qui sont bien sûr en fonction des espèces. Donc on filtre ça pour ne pas les agresser, pour prolonger la vie. Et notre technologie, on a exposé au salon de l'innovation à Paris en septembre 2020. Merci beaucoup. Voilà. Chocolat. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Avec grand plaisir. À votre disposition. On va faire après la propre. On va de toutes les façons. Votre expérience, votre savoir. Dans notre programme, on a décidé de faire une journée d'études avec le CRASC ici, quelque part, mais on le fera ici avant la fin de l'année. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.
طلقني الصباح لا صباح Thank you.